and wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate. I'm gonna say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord. Come on. Of how you took away my shame. Now listen. You made something out of nothing. Pour soutenir Bravo. Alléluia. Amen.
Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, et c'est 20, j'ai déjà lu. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Dans le mari est le corps, le bon Dieu, le sauveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Plus combattu, je le dis toujours. Parce que le diable n'a jamais aimé que les gens se marient. Parce que quand les gens se marient, c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Or, le diable n'a jamais été content de la bénédiction de l'Éternel sur ses enfants. Voilà pourquoi le diable n'arrive pas à vous empêcher de vous marier, il va vous empêcher d'avoir des enfants. S'il n'arrive pas à le faire, il va tout faire pour vous empêcher de pas de trouver du travail. Il va essayer de bloquer les finances. Il va essayer de tout faire pour introduire le désordre dans le foyer. Mais ici, Paul est en train de nous donner un exemple. La belle famille commence à faire pression. Les amis comptent sur la parole de Dieu. Personne ne viendra vous influencer. Alléluia. Christ doit être la colonne principale. Quand les amis viendront vous inculquer les mauvaises idées, vous allez vous appuyer sur la parole de Dieu. Dieu principal de notre foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Le deuxième point, c'est que dans le foyer, il faut qu'il y ait respect mutuel. Vous n'avez pas besoin. Et vous rappelez cela. Vous n'avez pas besoin de la dénigrer. Je connais un couple à l'université, ils enseignent, c'est la femme qui enseigne à l'université de Kinshasa. La femme est docteur en droit. Et le mari est docteur en médecine. Et un jour, un étudiant est venu chercher. La femme dit à cet étudiant, dans cette maison, il n'y a qu'un seul docteur, Un seul docteur, c'est que moi je connais votre mari, c'est le médecin. Oui, il est médecin, mais il est généraliste. Moi je suis docteur, en droit. Donc il veut, n'allez pas tomber. C'est aussi protéger l'autre. Je l'ai toujours dit, le pasteur Roland nous disait, même quand vous êtes en retard, vous avez un programme, vous avez un rendez-vous quelque part. Vous arrivez en retard avec votre femme. Vous n'avez pas besoin de l'exposer. On a dit ça dans ma vie, comme il est tard pour maman, la personne est tard. Vous n'avez pas besoin de ça. Alléluia. Alléluia. Il faut la protéger. On s'en est dit que ça n'a pas tout. Et ceux qui n'ont pas tout, ça va s'arrêter là, pas ce n'en a. Non. Voyez, le jour où je me réveille, ma femme se réveille avant moi. Moi, je me réveille après. Ceux qui n'ont pas tout, qui n'ont pas tout, ils s'y mettent. N'ont pas tout. Alléluia. Tout
tous les jours. Et quand je trouve qu'elle est fatiguée, je balaye et la maison et la matière. Ce qui est la Bible, la communauté. Alléluia. Et pour changer le nom de Nini, comme les frères sont là. Attention, c'est mon foyer, je le fais. Mes frères viennent d'ailleurs au moment de la visite, ils me trouvent en train de balayer la maison. Alléluia. Je veux protéger ma femme. La cassette, ça va faire, on va appeler 20 minutes. Ma cassette, ça va dans la salle. La cassette, la sucre. Il va appeler, c'est beaucoup de minute. Aussi, ça va vous marquer. Pourquoi on va avoir la cassette? Après le mariage, on va la tranquille, on va le voter l'amour calmement, dit et pourquoi ta barbe. Alléluia. Tout le monde, monsieur tout le monde. On continue, monsieur, merci. Merci pour la parole, madame la présidente, monsieur, le premier de la vie. Si bien que le roi est fan de la sanité, madame, monsieur, et ça va nous servir. Nous avons tous à partir à la fin. Ça me dit que nous avons fait un peu de temps, mais nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de Amen. Alléluia. Si vous êtes d'accord, vous allez savoir.
je le veux. Oui, je le veux. Thank you.
Aujourd'hui, dans le nom de Jésus. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Aujourd'hui, Pompon et Marie-Laure sont mari et femme. Ils ne sont plus deux, mais aujourd'hui, ils sont devenus une seule chair. Que personne ne les sépare. Père, que leurs ennemis soient tes ennemis. Éternel Dieu de gloire, combat en leur faveur. Lorsque l'ennemi se présentera devant eux, prends le devant. Père, combat en leur faveur. Qu'il ne manque de rien. Nous les bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Je bénis Éternel Dieu leur central. Il a dit dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. Père, je déclare qu'ils auront des enfants autant qu'ils en voudront, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accompagne l'Éternel Dieu pendant toute leur marche ici sur la terre. Que rien ne les sépare. Au nom de Jésus-Christ, nous avons dit Amen. Amen. Alors maintenant,
ils vont devoir s'embrasser. On leur laisse tout le temps. 5 minutes, 10 minutes. Et le mari va embrasser la mariée. Bénédiction accompagne tout en chacun de nous. Nous bénissons encore le programme de soir des mariés quand ils vont recevoir leurs amis et pères. Que tout se passe dans la paix, dans une bonne atmosphère. Que ta présence soit avec eux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu es la seule fille qui a bouleversé mes pensées. La la les loutou balani et c'est mon mingi. Pour mon poteau, je t'avais créé pour moi. Les locaux qui s'y maloba, oh la kakingam. Oh la bakinangam, la cosa, la mama ya banana yo. Made